Good morning, Aleid, et nous aujourd'hui le Nishmat Avamandre, Benisra Yvefani David, Ben Fortuna, Fritna, Mazal, et Dvora, Bat Esther. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions un Seret Ktuvot, Perek Bet Mishnah Tet, Aisha Shanech Besha, Bide Goim, Aliede Mamon, Muteret le Baala, Aliede Nefashot, Asura le Baala, Ir Shekvasha Karkom, Kol Kohanot Shenimtseu Betocha, Sulot. ואם יש להם עדים, אפילו עבד, אפילו שפחה, הרי לא נאמנים. ואין אדם נאמן על ידי עצמו. אמר רבי זכריה בן הקצב, המעון הזה לא זזה ידם מתוך ידים משעה שנכנסו גויים לירושלים ועד שיצאו. אמרו לו, אין אדם מעיד על ידי עצמו. On commence à traduire, on parle de Aïcha שנכבשה בידי גויים. Une femme qui a été prise, kidnappée, prise en captivité, par des goïms. Mais cette fois-ci, c'est pas juste qu'elle a été prise pour. Elle a été prise pour demander une rançon. Aliédé, mamon, pour de l'argent. C'est-à-dire qu'elle a été kidnappée pour comment pour demander une rançon. Dans ce cas-là, la Mishnah me dit bien, Mouteret le Baala. Elle est permise à son mari, et même si elle est Kohenet, elle sera aussi permise à son mari. Pourquoi? D'abord, je continue encore une demi-phrase. Aliédé nefashot asura le Baala. Si par contre elle a été prise en pour être condamnée à mort, on a voulu la tuer parce qu'on l'a soupçonnée de quelque chose, par exemple, on l'a prise pour la tuer, alors là elle devient interdite à son mari, et cette fois-ci même une bat Israël à son mari, et même une femme d'Israël, pas forcément des Kohanim. Je vais faire un petit peu d'ordre tout de suite, je vous explique très simple. De manière générale, on sait très bien qu'une femme qui a été violée, elle est, si elle est Israël, elle est permise à son mari, mais si elle est Kohenet, elle devient interdite à son mari. D'accord? Là, maintenant, la question, maintenant, elle est que quand on a des gens qui kidnappent des femmes, vous imaginez bien, ce n'est pas des enfants de cœur, ils vont très probablement abuser d'elles. C'est la problématique de la Mishnah. Et la Mishnah, elle va m'apprendre quelque chose. C'est une captivité très spéciale. Là, on a trois sortes. Il y a ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a parlé de la Shvouya. Une femme qui a été prise en captivité, parce que du coup, ils ont ramassé plein de femmes pour aller les vendre au marché des esclaves. Ça, c'est un cas de captivité, qu'en général, la femme juive, elle est permise à son mari, et la femme kohenet, elle va être interdite à son mari, c'est ce qu'on avait dit dans le projet de Mishnah précédente. Là, ici, on a deux cas différents. On a une femme d'abord qui a été prise en captivité pour demander elle a été kidnappée pour demander une rançon à son mari. Alors là, dans ce cas-là, la Mishnah nous dit, même une kohenet, le goy, s'il a envie de demander, s'il veut demander une rançon, il veille à ce que la femme a bien protégé la femme, parce que ça coûte cher. Et il n'a pas envie de l'abîmer. S'il va l'abîmer, il ne va plus recevoir la rançon. Donc l'argent va faire qu'il va se calmer et qu'il ne va pas abuser d'elle. Il ne va pas la violer. À condition qu'on est dans un pays où la domination juive est forte. Parce que si jamais on est pris chez les goyim, alors les goyim demandent une rançon. Quand, ouais, c'est-à-dire, si en fait, la Gemara nous dit, il y a d'Israël tkifa à la goyim. C'est qu'on est sous domination juive, comme à l'époque, mais malheureusement, il y a bien sûr des quartiers arabes, des quartiers trucs. On peut par exemple les dominer, ils ne vont pas abuser d'elle de manière normale. Par contre, si jamais on est sous domination goy, et qu'elle a été présentée même pour de l'argent, eh ben là, ils en ont rien à faire des juifs, et ils peuvent abuser facilement d'elle. D'accord? Donc en fait, donc je reprends, si on est sous domination juive, et qui demande une rançon, alors on ne va pas soupçonner, on ne va pas craindre qu'elle a été violée. Tandis que, si jamais elle a été prise à l'aide de Nefajot pour la tuer à elle, on a une raison pourquoi on l'a prise pour la tuer, alors là, Asura les balades, elle est interdite à son mari. Cette fois-ci, pas que la Cohen, la femme de Cohen, elle est devenue interdite, même la femme d'Israël, elle est interdite. Vous allez dire, mais pourquoi elle est violée? La réponse, elle est que non, elle n'est pas violée. Étant donné que la femme, elle sait qu'elle va être condamnée, on craint que la femme, elle s'est dit qu'il vaut mieux que j'essaye de l'amadouer pour qu'il se calme. Peut-être qu'il va me prendre en pitié. Et puisqu'elle risque de. Puisqu'on craint que la femme, dans son stress, elle va l'amadouer, elle est plus considérée comme violée. Et puis elle devient consentante, elle devient interdite à son mari. Donc en fait, en deux mots, si la femme elle était prise pour la tuer spécifiquement à elle, elle devient interdite à son mari. Et c'est sur ça que la Mishnah elle va continuer aussi dans le même principe. Ir Shekvasha Karkom. Une ville qui a été conquise par un, comment dire, un siège. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez comment ils faisaient les guerres à l'époque?
Ils amenaient toute une armée, ils faisaient un siège autour de la ville. Comme ça, ils bloquaient les provisions de la ville pendant un bout de temps. À l'intérieur, ils mangeaient tout jusqu'à qu'à la fin, ça commençait la famine. Et puis après, tchit, ils envahissaient la ville et ils la gagnaient. D'accord? C'est ce qu'on appelle un carcom. Matsor, il nous a dit. Le Bartanura. Un Matsor, savoir, comme c'est la Sarbetevet, et le début du Matsor du Yerushalayim. La Mishnah me dit donc, Yoshekavsha Karkom, une ville qui a été, que finalement, que elle a été prise en. Elle a été conquise. Kol Kohanot Shemitseu Betocha Psolot. Cette fois-ci, la Mishnah me dit, toutes les femmes Kohanot qui se trouvent à l'intérieur, elles deviennent impropres à leur mari parce qu'on craint qu'elles ont été violées. Vous imaginez, c'était malheureusement très fréquent à l'époque, des tas de questions comme ça, avec l'époque des Cosaques qui débarquaient dans la ville, qui s'en prenaient à tout va. Alors, en théorie, après on va prendre pour la Halakha, c'est un point très important qui va nous permettre de sauver plein de situations. Mais en théorie, si on sait que les Cosaques, là, ils sont tombés sur 100 femmes, elles deviennent toutes interdites à leur mari. Toutes les Kohanot, excusez-moi, toutes les femmes de Kohen, elles deviennent interdites, parce que ces brutes, ces crapules, ces énergumènes, eh ben, vous imaginez bien, ils vont pas se retenir, ils vont trouver une femme, ça va leur dire ce qu'ils veulent, quoi, d'accord? Et voilà, ça c'est pour les Kohanot. Par contre, une Israël, bien sûr, elle est permise, parce que le maximum, elle était violée. Maintenant, le Mishnah me dit deux choses. Il y a une dans la Mishnah, une dans la Gemara que le Bartanura va rapporter, un point important. D'abord, je traduis la Mishnah. Vimyashlaim Edim, par contre, s'ils ont des témoins, qu'elle n'a pas été violée, Afilu Eved, Afilu Shifra, même un esclave, même une servante, qui ne sont pas des gens normalement, qui peuvent témoigner en temps normal, cette fois-ci, Arei Elu Ne'emanim, cette fois-ci, ils pourront témoigner pour ce témoignage. Ramim, ils ont fait Beshvuya Hekelu. Ils ont fait une permission, ils ont donné une donation de croire, en fait, pour toutes les lois de captivité, parce qu'une femme qui est prise en captivité, c'est, en théorie, elle ne devrait pas être interdite. Parce qu'elle a une Cheskat Tahara, elle est, en théorie, si on va selon les lois strictes, en fait, de la Torah, les règles pour trancher des Svekot, en fait, elle est censée être propre, parce qu'elle est née propre, elle reste propre, jusqu'à preuve du contraire. Dans le doute, on ne dit pas que les choses elles sont devenues interdites. Parce que les choses sont une Chazaka, ouais. Une présomption que, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça qu'on présume que les choses sont restées. Seulement, Chachamim ont fait une Chumra par rapport au Yichus du Ham Israël, et spécialement des Kohanim. Donc ils ont dit que non, on va quand même l'interdire. Mais puisque Chachamim, c'est eux qui ont décrété cet interdit, alors ils ont aussi décrété une permission. Ça, c'était un. Même si c'est un esclave, même si c'est une servante, on les croit quand même à Elon et Manim. Ok, je fais une petite pause d'abord, je vous dis tout ce qui est écrit dans le Bartanura, un point super important aussi, c'est que tout le problème qu'on va craindre qu'elles ont été violées, c'est que si on est certain que la femme, elle est tombée nez à nez avec les Cosaques, qu'ils ont passé devant elle. Mais si toutefois, il y a une planque dans la maison, alors on va commencer, on va y aller doucement. S'il y a une planque pour une femme dans la maison, on sait que les Cosaques sont rentrés dans cette maison, mais il y a un endroit où est-ce que la femme, elle a pu se cacher sans qu'on la voie. Elle n'a pas été en contact direct avec le monstre. Et bien dans ce cas-là, elle est crue. Parce que comme elle a une Cheskat Tahara, on dit juste que si il est tombé sur toi, c'est sûr c'est probable qu'il a abusé, on interdit. Mais si il est probable qu'il est bichlal pas tombé sur elle, il y avait une chambre qui était fermée à clé, qu'il n'est pas rentré dedans. On ne sait pas qui avait dans cette chambre. La femme, elle est crue de dire que j'étais dedans. Et puisque la femme, elle est crue de dire qu'elle était dedans, elle peut même dire ensuite que sachez quand elle était. Je suis tombé né avec le Cosaque. Mais il ne m'a pas touché parce qu'en fait, j'aurais pu. Croyez-moi, parce que Migo, comme on avait appris Migo, parce que si je voulais vous mentir, je vous aurais dit que j'étais directement dans la chambre. Alors sachez que moi, j'ai vu le Cosaque et il n'a pas abusé de moi. Et même mieux que ça. Même s'il y a une planque pour une seule femme, on va sauver les 10 femmes parce que chacune, indépendamment, aurait pu dire cette super phrase de dire que ah, c'était moi en réalité qui était dans la chambre enfermée, que sans qu'il dans l'armoire cachée, sans qu'il m'a vu. Puisque même s'il y a une seule planque, c'est sûr qu'il y en avait 9 qui étaient dans sa tête et une seule qui a réussi à se cacher, au mieux, malgré tout, chacune indépendamment, elle vient, elle prétend me dire, écoutez, moi, si je vous dis que j'étais dans la planque, vous me croyez, parce qu'il n'y a pas de nouvelles me croire, sachez qu'en été, je suis tombé avec le Cosaque qui m'a fait toucher. D'accord? Ça, c'est le. Donc finalement, c'est une grande atzala, quand même. On a deux Hatzalot, en fait, deux manières de sauver ces pauvres femmes là, qui étaient avec les monstres en Pologne, en Russie, qui débarquaient dans la ville et qui pillaient tout et qui abusaient de tout.
ça a quand même deux points importants pour continuer à permettre même les coanotes, dans la mesure où la femme elle peut facilement dire que je me suis cassé les cheveux sous le lit, il m'a pas vu. D'accord? À une exception qu'il y a eu dans l'histoire, c'était avec Yerushalayim, ce qu'on va voir avec la fin de la Mishnah. D'accord? Donc deux permissions. Une, d'une part, s'il y a une planque, on peut dire qu'elle était dans cette planque, et donc de ce fait, elle a un migo, qu'elle est crue de dire qu'elle n'a pas été abusée. Et deuxièmement, on craint, on croit, même un esclave, même une chifra, on les croit pour dire qu'ils n'ont pas été abusés. Ok? Par contre, suite de la Mishnah, Ve'en Adam Ne'eman al-Ide Atzmo. Un homme n'est pas cru pour lui-même. Ça implique deux choses. Une chose essentielle, c'est d'abord qu'un homme ne peut pas témoigner, lui, sur sa femme. D'accord? Pour quelle raison? Parce que lorsque je témoigne pour ma femme, c'est pour que je puisse, moi, continuer. Si je suis Cohen, c'est pour que je puisse la permettre. Or, je ne peux pas témoigner pour moi. Je peux témoigner pour la voisine, mais je ne peux pas témoigner pour moi. Donc un homme ne peut pas témoigner sur elle. Et mieux que ça, si un homme qui témoigne sur une femme qu'elle a été permise, un Cohen qui vient qui nous dit, quand les goyim sont venus, moi j'ai vu cette femme-là, elle n'a pas été touchée. En théorie, on pouvait le croire. Mais maintenant, on va lui interdire de se marier avec cette femme. Parce que si jamais tu vas te marier avec elle, on va soupçonner que quand tu as parlé, qu'elle a dit qu'elle était propre, c'est parce que tu louchais déjà sur elle, que tu la voulais. D'accord? Et maintenant, on continue avec la suite de la Mishnah. Ben Adam Neman Nedasmo, donc un homme n'est pas cru pour lui-même, pour ce qui le concerne à lui, si jamais c'est pour permettre sa propre femme. Amar Rabbi Zecharia ben Akatsav. Il nous a raconté Rabbi Zecharia ben Akatsav, qui était un des Tanaïm, qui était lors de la conquête de Yerushalayim par les Romains. Amaon Azé. Je jure par cette demeure, là où il y avait le Beth Amikdash. Lozazayada mitochiyadi. Sa main, la main de ma femme, n'a pas bougé de sa main, de ma propre main. Je lui tenais la main. Misha'a shenichnesu goyim l'Yerushalayim. Depuis le moment que les goyim sont entrés à Yerushalayim, ve'ad sheyatseu, jusqu'à qu'ils sont ressortis. C'est-à-dire, en fait, lui, il était Cohen, Rabbi Israël ben Akatsav. Il était Cohen. Et il nous dit, je vous assure, que ma femme, pendant que tous les goyim sont entrés à Yerushalayim, j'étais avec ma femme, il n'y en a pas un seul qui s'approchait d'elle. Il ne l'a pas lâché la main. Amroulo, ils ont rétorqué Ramim, En Adamim, Meïd al-Edatmo. Un homme, il n'avait pas cru sur lui-même. De ce fait, ils lui ont interdit sa femme pour la suite. Parce que toi, tu es Cohen. Et ta femme, il y a eu des goïms qui sont venus. Et dans la mesure où maintenant on sait que les goïms, ils sont tombés nés avec elle, il faut un témoignage. Or, le mari, il ne peut pas témoigner pour sa femme. Et dans ce cas-là, la Gemara nous raconte qu'en fait, il s'est séparé de sa femme. Ils habitaient dans la même maison, c'était toute une histoire, parce qu'ils devaient habiter dans la même, pas exactement, ils devaient habiter dans la même demeure, parce qu'ils avaient des enfants, entre eux. La femme, elle rentrait à la maison, elle s'occupait des enfants, et lui, s'était fait une petite maisonnette à l'entrée de la maison, en dehors, pour qu'ils dorment dedans, comme ça il n'y a pas de yéhoud, parce que si comme ils ont interdit, ils ne pouvaient pas transmettre cette parole, et comme ça ils éduquaient leurs enfants, sans jamais s'isoler les deux ensemble. Force très dure, malheureusement, ça arrivait des fois. Maintenant, question intéressante quand même. Mais quoi? Il ne pouvait pas nous raconter que sa femme, en réalité, elle était cachée. Elle était cachée dans une armoire. Et qu'on a dû le croire. Et là, sur ça, la Gemara nous répond que non. Que quand les goïms, ils ont conquis Yerushalayim, ils ont réussi à mettre la main et les yeux. Et à dominer tous les points les plus cachés de Yerushalayim. Et de ce fait, alors, lors de cette conquête-là, c'était impossible de prétendre qu'il a réussi à cacher sa femme, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.